Je vous propose de réaliser un gâteau de Savoie. Pour faire un gâteau de Savoie, il vous faut un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, 150 g de sucre, 5 œufs, 75 g de maïzena et 50 g de farine. Je vais le faire au robot. Donc, dans le robot, on va mettre la farine, la maïzena, le sucre, le demi-sachet de levure, voilà, le sachet entier de sucre vanillé, et un par un, on va casser les œufs quand l'appareil va tourner. Quand votre pâte a fini de tourner dans le robot, ou que vous l'avez fini de la tourner, vous allez prendre un plat que vous allez beurrer et fariner. Vous allez mettre la préparation dedans. Alors ça fait quand même une pâte assez liquide. Donc vous mettez bien la préparation dedans. Vous pouvez rajouter des zestes d'orange ou de citron si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous allez l'enfourner dans un four que vous avez fait préchauffer à 200 degrés pendant 30 minutes. Voilà mon gâteau de Savoie prêt à être servi avec son petit café. Allez, bon appétit !